J'aime penser que nos passagers à bord sont très importants et il n'y a pas de priorité, mais on a parfois des passagers un peu plus importants qu'on appelle les VIP ou qui vont être souvent des célébrités, des chanteurs, des acteurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe leur expérience de voyage à bord. Bienvenue. Et si vous vous posez la question, non, Madame des Coquerelles ne va pas être ma célébrité du jour, aujourd'hui je vais vous parler plus des acteurs, des hommes politiques, des chanteurs et un petit peu toutes les gens que vous allez trouver dans tous les magazines People. Je ne suis pas moi-même une célébrité, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je vole au-dessus du Pacifique et je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube. Vous avez sûrement déjà entendu ce petit discours sur toutes les chaînes, mais si vous aimez ce genre de vidéo et tout savoir sur le milieu du transport aérien, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut et si vous n'avez pas encore fait, appuyez simplement sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sera publiée. Donc ces célébrités, ce sont des chanteurs, des diplomates, des hommes politiques, des acteurs. Ça va être le cas essentiellement s'ils voyagent pour des raisons personnelles, mais aussi sur certains vols domestiques, surtout lorsqu'il n'y a pas le choix et que ça va être surtout une compagnie low cost qui assure une liaison. Et donc vous pouvez vous retrouver assis juste à côté d'un acteur comme Michel Blanc entre Paris et Nice. Pendant 1 h 15, vous serez assis l'un à côté de l'autre et il n'y aura aucun service particulier qui sera offert à bord. Là, on va trouver plus de grands changements, ça va être sur du long courrier. Bien souvent, c'est un chanteur, lorsqu'on va atterrir le matin, va devoir faire un concert le soir même et puis éventuellement repartir soit le soir même ou le lendemain. Donc, ce moment à bord, c'est un espace pour eux pour pouvoir se reposer, pour pouvoir vraiment se détendre et se vider la tête entre toute l'adrénaline qu'ils ont eue pendant le spectacle précédent jusqu'à ce qu'ils fassent leur prochaine performance. Donc, on doit s'assurer à ce qu'on les laisse en paix, tranquille, et que leur moment à bord, vraiment leur permettre de pouvoir récupérer de l'énergie. Alors en tant que chef de cabine, on va être informé avant de partir est-ce qu'on va avoir un VIP. Parfois on n'aura pas tous les détails. J'avais eu il y a plus d'un an et demi ou 2 ans, on me disait que j'allais avoir un homme politique canadien à bord, mais sans me dire exactement qui c'était. C'était un aller-retour journée, donc c'était un vol de 3 h 30. Et lorsqu'on est arrivé à destination, le personnel sol m'a dit « Pour le vol retour, vous avez Stephen Harper. » J'ai dit là, bon, je veux pas commencer les débats politiques, je ne suis pas un fan de Stephen Harper. Si vous ne le connaissez pas, il était Premier ministre du Canada. Ça n'a vraiment pas été mon Premier ministre préféré. Mais j'ai dit « Je représente ma compagnie, donc je vais l'accueillir comme de fait. » Mais étant francophone québécois, j'ai l'ai accueilli en parlant français. Même si je sais qu'il est anglophone au départ, il était quand même Premier ministre du pays au complet. Donc il est arrivé à bord, je dis bonjour Monsieur Harper, bienvenue à bord. Il m'a regardé avec un air bête, hi. Et puis il a été prendre son siège et pendant tout le vol, il a gardé cet air bête. Bon, je vous le dis, c'est pas ma personne préférée, mais j'ai préféré à ce que ce soit un autre de mes collègues qui interagisse avec lui pendant le vol. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu un petit peu l'envie parfois de faire repartir plusieurs fois son système de divertissement pour interrompre son film, mais je me suis retenu, ça m'aurait fait plaisir de l'embêter un peu, mais j'ai dit je vais rester professionnel et je n'ai rien fait. Donc l'expérience du voyage commence lorsque vous arrivez à l'aéroport. Si la célébrité est sur un voyage un peu officiel, dans le cadre d'une tournée, d'un concert, d'un séminaire, etc., bien souvent ça va être la maison de production ou tout son entourage qui va avoir préparé un petit peu ce voyage. Et donc l'enregistrement peut être fait parfois de manière un petit peu séparée des autres passagers. Dans le cas de Paris-Charles de Gaulle, vous avez justement un pavillon qui fait partie de l'aéroport mais qui va être justement réservé à cet effet où les célébrités vont pouvoir arriver, faire l'enregistrement, passer les services de douane, de la sécurité, attendre dans un salon particulier et ensuite sont escortés en voiture jusqu'à la passerelle de l'avion. Ce service n'existe pas partout, beaucoup de compagnies n'ont pas les moyens d'avoir un salon qui est réservé à ce genre de super VIP. Si vous prenez l'exemple de Los Angeles, le salon Star Alliance, qui est un salon accessible à tous les membres Gold, qui ont le statut Gold en fait avec Star Alliance, donc c'est un salon qui est assez grand, c'est un très très beau salon, mais il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Si une célébrité voyage sur une compagnie Star Alliance au départ du terminal international Tom Bradley, elle va pouvoir aller dans le salon, mais dans le salon vous avez une porte qui est un petit peu cachée avec un escalier qui amène sur un deuxième salon caché qui se trouve au niveau supérieur, un salon beaucoup plus petit où vous allez trouver en général tout ce qui va être justement célébrité, chanteur, acteur, etc. de manière à ce qu'il ne soit pas dérangé, éventuellement ou potentiellement dérangé par les autres gens qui se trouvent dans le salon. Les compagnies vont aussi y mettre leur super VIP, donc les gens qui dépensent des millions et millions de dollars et d'euros et donc vont avoir ce traitement un petit peu spécial et peuvent se retrouver assis à côté de Madonna éventuellement.
Un autre moyen que les célébrités vont pouvoir utiliser pour voyager sans être trop dérangées ou reconnues, c'est d'utiliser des compagnies sur lesquelles c'est une continuation de route. Alors je vous donne un exemple, c'est pas celle de mon pays, mais on fait ce genre de choses, mais l'exemple que je vous donne est fictif. Imaginons que Air Canada ferait un vol entre Montréal et Paris et ensuite continue entre Paris et, Tunis. Eh bien, le vol entre Paris et Tunis serait effectué par un appareil d'Air Canada avec un équipage d'Air Canada, mais à l'intérieur, vous aurez essentiellement des passagers canadiens. Et donc, il y a moins de chances pour qu'une célébrité tunisienne ou française soit dérangée, entre guillemets, par des fans ou crée un mouvement de foule. Et donc, ma compagnie avait ce genre de choses, une continuation de route, et on avait beaucoup de célébrités qui utilisaient notre compagnie, non seulement pour notre service, mais aussi parce qu'elles savaient qu'elles seraient moins dérangées, étant donné qu'elle est moins populaire dans le pays là où j'habite. Ces célébrités vont très souvent être escortées. Ça va être toujours le cas dans le cas d'un système diplomatique. Donc lorsque j'ai, par exemple, le ministre du tourisme du Japon qui vient visiter mon pays, il va être attendu à l'arrivée par les services diplomatiques de mon pays. Et au retour, la même chose, lorsqu'il va être escorté jusqu'à l'avion, jusqu'à la porte de l'avion, et on va me présenter à ce ministre que je vais pouvoir escorter jusqu'à son siège. Très souvent, les célébrités vont être les dernières à embarquer à bord. Et souvent, c'est pour deux raisons. D'abord, ils vont être les derniers à embarquer, donc la plupart des autres passagers sont déjà en train de lire ou de regarder un film, etc. Donc les gens sont plus occupés dans leur cocon et surtout, ils sont en classe affaires. Donc, ne regardent un petit peu moins ce qui se passe autour de la cabine plutôt que lorsqu'on arrive à bord, on regarde ce qui se trouve autour de nous. Donc, ils vont être les derniers, ils vont embarquer rapidement, on ferme la porte et on décolle. D'autre part, il arrive parfois à ce que, dépendamment des aéroports, l'embarquement se fasse par l'avant de l'avion. Et donc, tous les passagers de toutes les classes, y compris économie, doivent transiter par la cabine affaires ou première classe pour pouvoir accéder à leur siège. Et donc, si cette célébrité avait déjà embarqué, eh bien, tous les passagers de l'avion verraient que Céline Dion éventuellement se trouve à bord. Donc oui, très souvent, ils vont voyager en classe affaires ou en première classe, dépendamment de ce qui existe sur la compagnie. Ça leur permet, comme je disais tout à l'heure, de se reposer. Très souvent, ce vol en avion est un moment où ils vont pouvoir justement rattraper du sommeil et se détendre. Donc, on va les avoir en classe affaires. En tant que chef de cabine, en fait, pour tout notre équipage, on doit avoir la même interaction avec ce passager que tous les autres passagers. Évidemment, on va éventuellement rajouter quelque chose d'un peu plus subtil. Donc, si j'arrive et que j'ai une vedette de la télévision que je reconnais, lorsque je vais me présenter, comme je vais faire avec tous les autres passagers de la classe affaires, je vais dire bienvenue à bord, ça fait plaisir de vous avoir. Et là où je vais rajouter, ça fait plaisir de vous rencontrer en personne et puis j'aime beaucoup ce que vous faites. Là, je vais avoir passé le message comme quoi la personne est reconnue. Si elle veut continuer la conversation avec moi, il n'y a pas de problème, je vais être ouvert à le faire, mais j'ai simplement ouvert la porte, je ne m'engage pas à la conversation pour pousser. Mais ce qu'il arrive très souvent, ces passagers qui voyagent énormément pendant la nuit éventuellement vont venir dans le galet, vont passer par les toilettes et certaines d'entre elles vont commencer à parler un petit peu avec nous là, pendant le vol. Et c'est le moment où justement la plupart des passagers dorment, donc c'est plus calme et vont interagir avec nous, vont nous raconter un petit peu leur plan de tournée ou pourquoi est-ce qu'ils voyagent. Et s'ils le proposent éventuellement, on va pouvoir faire une photo, demander un autographe, mais ce n'est pas quelque chose qui doit venir de nous, ça doit toujours venir d'eux. On a un protocole très très strict dans la compagnie, on ne va pas commencer à demander à faire des selfies ou à prendre des autographes. Nous, comme je vous le disais, on va continuer les services tout à fait normalement avec les mêmes repas, à moins qu'il y ait des choses particulières qui aient été demandées, mais en général, ça va être un repas spécial, végétarien, etc. Mais il n'y a rien vraiment de particulier et à la fin du vol, on va escorter la personne. C'est le moment où elle va avoir plus de chances d'être reconnue par les autres passagers, mais c'est le moment où elle va partir de l'avion. Très souvent, elle va être un des premiers passagers à quitter l'appareil et bien souvent, il y aura une escorte qui va l'attendre de l'autre côté et quelqu'un qui va s'occuper de ses bagages. Donc, cette personne va pouvoir passer les douanes le plus rapidement possible et ses bagages vont la suivre éventuellement dans une autre voiture. Il arrive parfois qu'on ait un vol rempli de célébrités. Il m'est arrivé de faire un vol charter. C'était toute l'équipe technique et artistique du vol du film King Kong 2. Ils ont commencé à filmer à Hawaï. Ils ont continué en Australie. Et nous, on avait été affrétés pour les emmener de l'Australie vers le Vietnam où ils faisaient la troisième partie du film. Donc, on avait l'ensemble de toute l'équipe. Donc, on avait des acteurs, on avait certaines familles d'acteurs, donc leur entourage, et on avait bien sûr tous les techniciens. C'était un vol qui avait été conçu sur demande, donc comme c'est pas une route qu'on fait de manière régulière et que c'était l'avion leur était réservé, donc on avait conçu des repas par rapport à ce que la production avait demandé. On pouvait décorer éventuellement la cabine, les têtières auraient pu être habillées de manière différente, ça n'a pas été le cas. Et au lieu d'avoir deux repas qu'on aurait fait normalement pour cette durée de vol, on avait eu deux repas complets et un service de snack. Je pense que c'était un sandwich chaud en économie, je me souviens plus ce qu'ils avaient en affaire. Le vol s'était bien passé, mais on a vu quelques petits incidents puisque entre Hawaï et l'Australie,
Australie, la compagnie qui avait été choisie, il n'y avait pas d'alcool qui avait été offert à bord, alors que nous, on offrait l'alcool. Donc, beaucoup d'entre eux avaient appris et avaient acheté leur alcool et l'avaient caché dans leur bagage, ou on l'avait acheté au duty free et commençaient à boire de manière un peu discrète, alors qu'on leur disait qu'on a l'alcool. Donc, on n'a pas le droit de boire son propre alcool en avion. Et on avait eu quelques-uns des équipes techniques qui avaient été un petit peu intoxiqués pendant le vol. Donc, on avait dû faire un petit peu de contrôle de ce genre de choses et les réprimander. Mais globalement, ça s'est bien passé. J'avais eu Samuel Jackson qui était là et c'est quelqu'un quand même d'assez impressionnant, mais il avait été très très gentil. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'il avait un repas végétarien et un repas non végétarien. Donc il avait deux repas qui avaient été commandés pour lui, pour donc le double de tout le monde. Mais ou t'es végétarien ou tu ne l'es pas. En tout cas, bon, je ne sais pas, c'était peut-être son régime particulier qu'il avait à l'époque. Petit aparté, il se peut aussi à ce qu'on ait la famille royale. Ça n'a jamais été mon cas, mais je sais qu'une de mes collègues, à un moment, avait dû avoir une formation spécifique par le protocole britannique, puisque la reine d'Angleterre était venue. Et donc, il y avait toute une formation de 2 jours où on leur expliquait comment approcher la reine, quel est le genre de questions qu'on peut poser, comment on se doit se tenir, etc. Donc, il y a toute une étiquette qui existe par rapport à la royauté. Et donc, ça avait dû être respecté. Et donc, il y avait une formation particulière qui avait été faite, ce genre de choses. Mais je dirais que ça reste très très marginal, on a rarement ce genre de choses à bord. Je conclurai en vous référant 2 vidéos, une que j'ai faite il y a quelques années où j'étais avec une de mes collègues et un autre de mes collègues qui lui travaille pour British Airways. On avait fait une vidéo à Hawaï et on s'était un petit peu parlé des célébrités qu'on a vues à bord, donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et également sur le côté. Et une autre vidéo, si vous ne connaissez pas la chaîne de Natacha, hôtesse de l'air, Natacha c'est un personnage fictif, mais elle dit qu'elle travaille pour la compagnie Airwesh qui est en France. En fait, elle est une vraie hôtesse de l'air pour une vraie compagnie française et elle a un style qui est très très différent du mien et elle explique un petit peu son vol avec Rihanna. L'embarquement est lancé, qu'est-ce qu'on voit débouler en porte? Rihanna. Non, Rihanna ma charcutière. Bah évidemment, Rihanna la chanteuse. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos et sur le côté. Si vous aimez ce genre de vidéo, une fois de plus, n'oubliez pas, mettez un petit pouce vers le haut, ça encourage la chaîne à être un peu plus visible sur YouTube. Une fois de plus, merci pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Now,